de différents niveaux secondaires. Complètement. Et choisir principalement des élèves qui n'aiment pas le français, qui ne s'intéressent pas au français. Pour ensuite, leur poser la question. Il a arrêté. Et de savoir ce qu'ils vont faire. Je tiens un smart TV. Ouvert, fermé. Continue. Bon, donc, vous m'excuserez, mais je n'ai pas un retour de caméra. C'est Giovanni, le technicien. Donc, l'introduction est la suivante. Lorsque j'ai commencé professeur de français et dans différents collèges, je me suis rendu compte qu'on me donne des méthodes pour première année, deuxième année, troisième année secondaire. Je vois que normalement le niveau de français est avancé, mais concrètement, aucune connaissance de français. Bonjour, je m'appelle Fulano et bonsoir, bonne nuit, bonjour, et c'est tout. Donc, j'ai dû recommencer les cours de français, que ce soit le première année, deuxième année, même en dernière année secondaire, niveau de français très, 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 très bas, limité à une dizaine de mots. Donc, j'ai chaque fois dû recommencer, quelles que soient les années, le même cours basique. Par contre, je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves, je m'en fous du français, ça ne m'intéresse pas le français, oh, c'est la langue des Haïtiens, etc., etc., ne veulent pas du français. Alors, j'ai pris les choses différemment. Autre chose, j'ai noté que les méthodes utilisées dans toutes les des méthodes, j'en ai vu plusieurs, de plusieurs sortes. Ce sont des méthodes qui dégoûtent le français. Je suis désolé. Il est clair que quand j'ouvre une méthode, je vois que je comprends tout, je comprends les mots. Mais si je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas cette langue, il reçoit en pleine figure plein de choses et finalement, il n'a pas envie. Il arrive la phobie du français et ne s'y intéresse pas. Et ça, malheureusement, c'est un problème que j'ai constaté dans plusieurs collèges. De plus, je considère que l'apprentissage d'une langue, la méthode utilisée doit être en fonction de la langue d'origine de celui qui apprend. C'est-à-dire que on ne va pas enseigner le français à un hispanophone de la même manière que l'on va enseigner le français à un chinois ou à un japonais ou à un allemand. La méthode doit être adaptée en fonction de l'autre langue. Parce que le français et l'espagnol sont des langues très similaires, très proches. Par contre, l'espagnol et l'allemand n'ont rien à voir. Ce sont des langues complètement différentes. Donc, il faut adapter la méthode en fonction de l'autre langue. Et le français, par rapport à l'espagnol, c'est quand même une langue très, très proche. Et ça, beaucoup d'élèves l'ignorent, n'en ont aucune conscience, alors que ce serait la meilleure des introductions. Maintenant, lorsque j'arrive en classe et que j'ai, pour la première fois, et que j'ai des élèves qui ont normalement de la 5e, 6e, primaire, première, deuxième, troisième, secondaire, c'est-à-dire 5 années déjà d'enseignement, pas d'apprentissage du français et qui ne savent rien, moi je leur dis, chers amis, le français, vous le savez beaucoup plus que vous ne l'imaginez.
Et donc, voilà comment je commence mon cours à des élèves qui n'ont aucune idée du français. J'écris la phrase suivante au tableau. Che tu hai? Voilà. Le français est une langue facile à apprendre. Le vocabulaire et la grammaire. La traduction. Et je les vois comme les élèves. Parce que le français est une langue facile d'apprendre le vocabulaire et la grammaire sont similaires. La prononciación diferente, la ortografía simple a comprender. Esa es la respuesta de los estudiantes. Y yo le digo, y tú me dices que tú no sabes nada del francés. Y se quedan callados. ¿Y yo qué? Eso es francés, por acaso. C'est le français. Alors, je fais la lecture. Le français est une langue facile à apprendre. Le vocabulaire et la grammaire sont très similaires, etc., etc. Este método se coloca, dura 3 años. Yo explico a este j'explique à ce moment-là la différence entre le français et l'espagnol. Premièrement, c'est la prononciation qui fait toute la difficulté. Pourquoi? Parce que il y a énormément de mots identiques français-espagnol
mais il y a ce qu'on appelle les sons, c'est-à-dire conjonction de deux lettres qui transforment en un autre son. Lengua, langue, en, aprender, apprendre, en, en. Diferente, différente. Pratiquement tout le français est basé sur les que il faut commencer par du vocabulaire et surtout de la prononciation. Alors, la première difficulté au niveau de la prononciation, je vais effacer ça. Donc, cette longue phrase, les élèves la comprennent et réalisent que finalement, le français et l'espagnol, mais c'est la même chose. Et ça, tous les élèves l'ignorent. La première difficulté au niveau prononciation, et pas « et », « e ». Yo me llamo fulano. Je, tu, me, me, me. Yo me baño. Je me. Là. Elle sait, il se. Yo, je. Que tu as? Que fais-tu? Me, se. Je, que, te, ne, le. J'ai un jour mis tous ces mots au tableau et je demandais aux élèves de bien répéter. Me, se, je, que, te, ne, le. Les élèves ont pris ça pour un jeu et ils se sont mis tous à hurler, enfin, à crier. Deux minutes après, la directrice est arrivée et elle est rentrée dans la classe et elle a demandé « Je viens voir, c'est quoi ce troupeau de vaches qu'il y a dans la classe ?» Mais oui, « Me, se, je. » Ça, c'est l'importance. Pourquoi ? Je vais donner un simple exemple. E et est. Il y a un mot qui résume bien tout ça. Élève. Et est. Et le E final qui ne se prononce pas. Élève. Élève. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas d'accent. Je mange. Le final, on ne prononce pas.
Je mange. Bien insister là-dessus. Pourquoi? Parce que si c'est prononcé à l'espagnol, j'ai mangé, non, je ne suis pas d'accord. J'ai mangé, yo he comido, je. Si quelqu'un me dit yo como et me le prononce mal, j'ai mangé, moi je vais comprendre yo he comido, manger, mange, manger, mange. Les accents dans la langue espagnole n'ont pas du tout la même fonction que les accents en français. Et ça, il faut bien l'expliquer parce que l'hispanophone, dans sa tête, s'il y a un accent, eh bien, c'est comme le mot en espagnol, on met l'accent sur la lettre, eh bien, non. Non, non, parce que j'explique très simplement en français, tu as le A avec accent et le A sans accent. La prononciation est la même. Pero profe, ¿y para qué el acento si se pronuncia de la misma forma? Pero, il a une voiture. Es el verbo tener. Je vais à la maison. Eso es el A español. Yo voy a la casa. A. Je vais à la maison. Y, por acaso, au cas où, a la, lo mismo en español que française. Yo voy a la casa, je vais à la maison. Y no diga que l'espagnol y el francés no son iguales. Il y a d'autres mots où il y a aussi un accent. D'ailleurs, dans mes cours de français, une des premières leçons traite des accents. Où c'est prononcé igual. Pero profe, ¿y por qué el acento? Simplement pour différencier à dónde. Simplemente eso. Entonces, los acentos, les accents, c'est un détail à bien expliquer. Alors, autre chose concernant la prononciation, je leur dis. Je vais vous dire un mot en français. Essayez de... Qu'est-ce que ça veut dire? Jean. No sé. Jean. Ok, je vais l'écrire. Simplemente tu ajuntas una letra y tú lo tendrás. En español,
Ah, gente. Sí. Jean, gente. Ça, c'est la difficulté du français dans sa prononciation. En, comprendre, apprendre, en, Jean. Il est très important de travailler la prononciation avec du vocabulaire identique au français et à l'espagnol. Parce qu'il n'y a pas la nécessité de savoir ce que le mot veut dire, mais de connaître et d'apprendre la prononciation. Et cela, je l'utilise par des jeux, parce que l'élève, il aime jouer, il aime les défis, il aime donc... Le français, par des thèmes différents, je joue avec le français. Alors, de plus, la manière dont j'enseigne le français, en apprenant ses différences, en apprenant ses similitudes, l'élève perçoit le français dans sa globalité. Donc, s'il veut plus tard étudier le français, il sait que le français, espagnol, c'est le même vocabulaire, c'est la même grammaire, la difficulté, c'est la prononciation, etc., etc. Il a une base de travail. Si je prends, par exemple, le chinois, personne n'a aucune idée du chinois. Comment est basé le chinois? Comment un chinois retrouve un mot chinois dans un ordre que nous, on appelle alphabétique? J'ai eu des cours de chinois à une époque et je me suis rendu compte que c'est très simple. Les caractères chinois sont divisés en 4 parties et chacune des parties... Eh bien, ont une sorte d'ordre alphabétique. Et j'étais parvenu, à partir d'un caractère chinois, chercher dans le dictionnaire chinois-anglais, de retrouver le mot. C'est très simple. Il faut avoir une connaissance basique de la langue. C'est ce que je fais avec le français sur base de l'espagnol. Et ça, c'est très important. Alors, j'ai aussi donné cours d'informatique. Et comme vous le savez tous, comme professeur, il vous faut écrire la matière en haut du tableau. Et les élèves Informatique. Oye, que c'est ça? Informatique. Informatique. Tous les mots espagnol qui se termine en ca, co, se termine en que. Et lorsque c'est un que final avec un e final, le e ne se prononce pas. Donc on dit informatique, tic, informatique, physique, biologique. Technique, pero c'est la misma palabra en español, menos la H, es, sí,
je joue très souvent sur les changements. C'est-à-dire, comme je l'avais écrit, tout ce qui se termine en CO, CA, CO, K, se termine en que. Une règle pratiquement générale. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, gardez-la en suspens. Les élèves savent de quoi il s'agit. Photo, parce que c'est un mot anglais et ils l'ont déjà probablement vu en anglais. Donc, la PH français, c'est le F en espagnol. Donc, ça passe ici, là. K écho que. Une autre chose également. Tous les mots qui se terminent par A ou O en français, en espagnol, se terminent avec un E. Est-ce qu'on est bien d'accord? Caco, la queue. A et O, la E. La F, PH. Ok. Vamos a ver si ha entendido eso. Fulano, ven acá. Toma, escríbeme esta palabra en francés. Además, les autres élèves, je leur dis qu'ils peuvent aider à participer. Aquí hay una I. Aquí no. Yo no he dicho que si ya se pone la que. No. De ninguna forma. Farmacia. Oye. Autre chose, avant d'aller plus loin dans tout cela, parce que je vais vous montrer d'autres choses assez spectaculaires entre le français et l'espagnol. Je leur dis, je vais vous mettre une liste de mots, vous allez tous me donner la traduction en français. Mon vélo. Voilà une liste de vocabulaire. Main, sang, sang,
simple, vain, clair, franc. Et je leur demande comment on dit tout ça en espagnol. Profe, qué sé yo. Ah, yo no sé. No. Ok. Regarde bien ce que je vais faire au premier mot. Ma, mano. Que significa sin? Que significa sin? Que significa vin? Que significa clair? Que significa frein? Simplemente a uno, sept mots. Il y en a d'autres, mais je ne les ai pas encore trouvés, mais je sais qu'il doit y en avoir d'autres. Sept mots. On enlève la I, on met un O à la fin. Et on a la traduction. N'est-ce pas magique? Magique. Magique. Vous avez dit magique? Magique. Il m'arrive parfois de mélanger l'espagnol et le français. Magique. En français, c'est comment dire? En français, magique en G. Hein? Avec un G. Ah oui. Magique. Y en español, M-A-A. Ayúdame, estudiante. En español. Mágico, con G también. ¿Eh? Avec G aussi. G aussi. Oui. Co. Así. Bien, acento en la tilde en la mágico. Très bien. Eso me confirme que. Que, co, co, ca, se termine en que. Magique. N'est-ce pas magique? Si, c'est magique. J'ai fait des découvertes assez extraordinaires à propos de cette lettre. J'ai trouvé ça bizarre, la relation qu'il y a avec le I dans la langue française et dans la langue espagnole. Je vais vous mettre deux mots. Manera, manière. C'est-à-dire que, mis à part le fait que la A et la O finale de l'espagnol se met en E en français, donc là nous avons le même principe, d'accord? Mais pour le reste du mot, il y a un I qui apparaît dans la langue française. Le I disparaît dans la langue espagnole. N'est-ce pas étrange? Il y a un mot, il y en a d'autres certainement, où le I apparaît dans la langue espagnole et disparaît dans la langue française. Avez-vous une idée de ce mot? C'est un mot. Le I apparaît en espagnol, disparaît en français. Vous n'avez pas une idée? Je vais vous le dire.
tristeza. De lo contraire, il y a un lit en espagnol et il disparaît dans la langue française. Par contre, sur ce mot, il apparaît dans le français et disparaît dans l'espagnol. Eh bien oui. Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est la langue française. Ça fait partie du vocabulaire. Nous allons aller un petit peu plus loin dans la relation entre le français et l'espagnol. Je vais mettre deux mots. Avoir. Avec. Profe. Esas dos palabras son diferentes. No tienen nada que ver de uno al otro. Es muy diferente. No son similares. Ok. Vamos a profundizar el asunto. Avoir, évidemment, tener en español. L'espagnol, par rapport à l'anglais et par rapport au français, c'est une langue qui a deux, pour avoir et être, ils ont deux verbes, ser y estar. En anglais, un seul verbe, en français, un seul verbe. Avoir, haber y tener, et deux verbes. Mais bon, je vais m'attarder sur le verbe avoir comme haber. D'accord? Aliento en français. Hey. Nous nous apercevons que français, espagnol, c'est le même mot, mais la H. Hallucinar en français. Halluciner. Por acaso, doble L. Je dis aux étudiants, recuérdate. Diferente, deux F. La langue française a la mauvaise habitude de répéter deux fois les mêmes lettres. Pourquoi on en sait rien? Faut dire que l'anglais, non. Attention, comme en anglais, deux T. Bon. Je continue avec moi. Alpa. Un instrumento de música. Encore un mot.
espagnol, il n'y a pas de H et il y a un H qui apparaît dans le français. Hasard. Encore une fois, le H apparaît et disparaît en espagnol. À avoir, avec. Nous avons un H en espagnol. En français, il a disparu. Autre lettre étrange. La B et la V. En français, on est très clair sur le sujet. B, comme bébé. V, comme vélo, comme voiture. Or, il semblerait, je ne suis pas hispanophone, que ces deux lettres se prononcent pratiquement de la même manière en espagnol. C'est un hispanophone qui peut mieux le dire. En français, ça se prononce différemment. Alors, avril, avril. Ce sont deux mots, enfin, c'est un mot en français, en espagnol, c'est le même mot, seulement le V et le B se différencient. Y los estudiantes, tu quieres otra palabra, está bien. Février, febrero, vous vous rappelez le mot manière et l'espagnol manera, le I disparaît, febrero, février, le I disparaît. Et ce ne sont pas les seuls mots. Couverture. Cobertura. Avorter. Abordar, si j'ai bien arrêté. Obra. Œuvre, obra. La V, la B, la B, la V. Il y a beaucoup de mots dont le B espagnol devient un V, etc. Les deux lettres s'interchangent. Maintenant, ce n'est pas systématique. Il y a des mots
Ah, gobierno, gouvernement. C'est encore un mot où gobierno, vous avez un B en espagnol, vous avez un V en français. Mais ce n'est pas tous les mots. Il faut bien faire attention, ça n'est pas systématique. Il y a beaucoup de mots dont le B reste le B français-espagnol, le V reste le V. Donc, nous avons ici le H de haver. Il n'existe pas dans avoir. Et nous avons le B et le V qui s'interchangent. Là, nous avons un V, là, nous avons un B. Prof. Yes. Yes. Oyere et erre. Hey, cálmate. Voir, ¿qué significa? Voir. Il y a plusieurs mots qui se terminent en O-I-R, O-I-R. Et en espagnol, et R. Donc, OIR et R. Donc, si même nous avons deux mots, avoir, haber, qui sont des mots très différents dans l'orthographe, il y a quand même une relation. Le H qui disparaît, qui apparaît, le V qui devient un B qui devient un V, et le OIR qui se termine en ER. Donc, on voit là quand même que l'espagnol et le français ont des similitudes. Nous avons 20 participants en salle. Combien? 20. 20. Oui. Avec les élèves, je pousse le bouchon assez loin. Philosophique. Furano, venga acá. Et je vous dirais franchement que lorsque je pratique ce jeu, j'ai beaucoup de doigts qui se lèvent. Filosofico. Escríbeme eso en francés. Pero analízalo primero. En espagnol, il manque un accent sur le O du mulier. L'autre, ouais. Philosophique. Philosophique. Et philosophico, non, c'est quand même un mot qui n'est pas dans le langage courant, mais qui, finalement, on peut le traduire. Mm-hmm.
simplement en apprendre, entendre en leçon 1, leçon en, pardon, simplement, simplemente. Alors, on est d'accord? Dans le fond, qu'est-ce qui change? Le à la fin. D'accord? Comment on écrit en français phonétiquamente? Et Giovanni va me dire que... Un accent sur le E. Eh oui. Phoné. Oui, très bien. Phonétiquamente. Dites-vous bien que vous avez des élèves qui ne demandent qu'à jouer, qui demandent que... d'analyser, etc. Ok. Primer cambio. Aquí. Fonética. Ahí sí. No te la voy a dar ninguna hora. Vaya a cepillarse. Cepíllate, mami. ¿Y qué vaina es eso? Ah, eso. Fonéticamente. Fonéticamente. Y là. Donc, à partir du moment où les élèves apprennent ce genre de changement, ils sont beaucoup plus faciles. Et moi, j'avais une amie, réellement, probablement. Et lorsqu'elle entendait tous ces mots qui se terminaient en mente, elle essayait de le dire en français en le terminant en ment. Et ça, c'est une gymnastique à donner aux élèves à passer du mode espagnol en mode français. Il y a d'autres mots, d'autres lettres. Alors, voyons voir. Le J et le X. Rota et X. Il y a des mots qui, en français, nous avons un X et en espagnol, nous avons un rota. Pouvez-vous me donner un exemple? Et toi, Giovanni, un exemple. Un mot dont le X en français, c'est un J en espagnol. Xavier. Hein? Xavier. Le nom de Xavier. Le prénom. Non, je. Pas de nom propre. Oh. Je te demande un exemple. C'est très drôle. Je lui dis, donne-moi un exemple. Exercice. Exercice. Exemple. Exemple. Oh. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui! Je le dis, donnez-moi un exemple! Un exemple! Voilà! Je dis aux élèves, n'oubliez pas ceci.
Entonces, profe, usted dice que la J en español es una X en francés. Entonces, ejemplo, y como lo dice Giovanni, exercer. En español, y entonces, y nous avons exercice. Ejercicio. Là, attention, les élèves vont dire, bon, là-haut, on met un E. OK. Là, on met un X. Eh bien, non. A. Eh bien, c'est un I qui disparaît. Tout simplement, le I, c'est une lettre qui, lorsqu'il est en français, il disparaît en espagnol, etc., etc. Connaissez la mielda. Le I, il est en espagnol, il disparaît en français. Mais non, là aussi, ça devient A. Pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Et on est sur ma question. Et ce mot, complejo, entonces, prof, la O, la E, la J, mais oui, tout à fait. Pero, oyeme bien, à ce changement de X, et de J, je dis, il ne faut pas exagérer. No debe exagerar. Ok, voilà les mots. Français, espagnol, eh bien le X reste le X. Vous avez un autre mot. Explication. Bon. Et de même que queridos amados estudiantes, en estas dos palabras, una sola letra se cambia para llegar al francés. Una sola letra. Presta bien atención. Atención. ¿A qué letra? Vous devez changer.
Et les étudiants vont dire, si il y a une seule lettre à changer, le X, non, parce que le J en espagnol devient X en français. Donc là, ce sont des mots, donc le X va rester. Mais finalement, explication, exploration, etc., etc. Donc, finalement, lorsque je donne une classe de français, bon, quelle heure est-il? Il est 10h05. Ah, il est 10h05. Dans 5 minutes, on reçoit des participations et des questions. D'accord. Donc, je vais de toute façon conclure. Ça fait que la conférence a duré 1h30. Un cours de français, c'est 50 minutes. 40 minutes dans les écoles. Ça veut dire que lorsque je commence tout cet exposé, je vous garantis que les élèves attendent avec impatience le second cours de français parce qu'ils ont souvenir de s'être bien amusés, d'avoir découvert des choses intéressantes. Et donc, lorsque un jour, deux jours plus tard, il y a de nouveaux cours de français, ah, la suite. Et des choses comme ça, j'en ai plein. Je commence évidemment avec des phrases simples, et j'insiste là sur la prononciation. Une chose que je voudrais dire, il y a une lettre dont il est important dès le début d'insister sur la qualité de la tu et pas tout tu j'ai pas de mots qui me viennent à l'esprit. Il y a des mots où aide-moi Giovanni, il y a des mots qui commencent en français coup, mais en espagnol c'est couleur et courir. Hein? Courir. Ah, courir, oui. C'est courir. Ah, pardon, en espagnol, c'est pas où. C'est pas où. C'est correr. Cuesta, ok. Coûte. Cuesta, coût. Un simple U en français et en espagnol, et vous prononcez où. Coût. S'il y a un O. Par contre, le C et le U se prononcent Q. Si en espagnol, vous dites culo, en français, U, Q, pas cou, Q, U. Le U est très important à prononcer. On est d'accord là-dessus. Sinon, on arrive à des mauvaises qualités du français. On est d'accord là-dessus. Et les accents sur le E, la prononciation du E, la prononciation de la hot. Est-ce une lettre qui, entre le français et l'espagnol, il y a des problèmes de prononciation avec la rote?
Bon, y a-t-il parmi vous des questions? Il faudra que je les répète parce que moi, je ne peux pas entendre. S'il y a des questions. Ah, eh bien, merci beaucoup, Michel, de faire votre exposé sur comment il y a une relation entre le français et l'espagnol. Et nous avons maintenant l'occasion de recevoir des questions du public présent. Levez votre main et prenez les questions directement. Je vois Robert qui pose une question. Robert, ouvre ton micro et allez-y. Ah non. Et, ok. Ok, salut Michel. Salut Giovanni, comment ça va? Vous m'écoutez? Ah oui, très bien. Ok, salut Michel, comment ça va? Michel, on te salue. Robert, Michel. Salut Robert. C'est vrai qu'on s'est déjà rencontré à la capitale. Oui, dans le ministère de l'éducation. Oui. Bon, je vois que tout ça que vous avez présenté, tout ça, c'est très intéressant parce que ça aide pas seulement à développer l'orthographie des élèves, mais aussi la prononciation. Néanmoins, je pense que c'est un peu traditionnel parce que ce sont des explications. Et quoi de l'interaction avec les élèves? Les élèves les uns avec les autres, il faut leur avoir partagé. Peut-être que vous n'avez pas pensé dans ces cas-là, les interactions dans la salle de classe, comment développer les autres, comment peux-je dire, les stratégies de communication. Ce que je veux dire, c'est que la méthode n'est pas complète. C'est une approche, vraiment c'est une approche pour enseigner de l'orthographie, de la prononciation. Mais comme méthode, je ne pense pas que ce soit complète. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup pour partager. D'accord. Merci. Et quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, si quelqu'un d'autre voudrait participer. Et allumez votre micro et allez-y, posez des questions, des commentaires et on continue. À la fin, Michel va vous répondre. Il n'y a plus de questions? Bon, alors répondez à Robert, la question de Robert ou son avis sur la méthode d'enseignement et on termine. Sentez-vous à l'aise, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, faites-le. Non, il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de questions. Alors, Michel. Giovanni. Oui. Je voudrais savoir, c'est une approche et je suis d'accord avec ça. Je voudrais savoir, Michel, vous m'écoutez? Oui. Ok. Quand les élèves sont en train de participer dans la classe et ils font des fautes de prononciation, comment vous réactionnez à ces fautes de prononciation? Eh bien, par des pratiques, comme je le disais, je fais la pratique du E. Je me... te, ce, que, et je leur fais répéter en groupe, je, me, te, ce, etc. Donc, une pratique collective, je le fais également avec le U, et pour, dès le départ, avoir le son parfait du U à différencier du OU, qui est très différent dans le français, il n'y a pas le U en espagnol. Le U n'existe pas. Donc, il faut vraiment intégrer le U par des pratiques de mots. Très bien. Franklin Matos, allumez votre micro et
Allons-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à apprendre avec le professeur Michel, parce que la classe est très importante. J'aimerais continuer avec lui. Qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer? Je découvre, Michel. Mais j'ai commencé... comment? Bon, déjà pour répondre aussi à la question qui me dit c'est une approche, mais bon, j'ai par exemple une classe, un cours sur simplement ceci. La énie. Il y a par exemple il y a ce mot. Lorsque vous rencontrez le G et le N, vous devez obligatoirement prononcer la NIE. Donc, magnifico, le co, que, mais ici c'est la énie. Donc vous devez lire voilà la vraie prononciation. Magnifique, magnifique. Mais évidemment, c'est simplement phonétique. Magnifique. Et donc, j'ai tout un cours avec des phrases, avec des mots, etc. J'ai commencé à faire une méthode de français et je l'ai là quelque part. Comment dirais-je, moi, je vais vous la montrer. Et voilà. Et... Mais si tu veux, je peux envoyer au groupe. Tout oui, cela. On peut l'envoyer après. Bon. Nous avons une autre question, Michel. D'accord. Et Christian Jean, allez-y, posez vos questions ou vos commentaires. Ok, bonjour monsieur Michel. Et je vais savoir quel est votre niveau de succès avec cette méthode d'enseigner la prononciation avec les élèves. Eh bien, moi, je vais vous le dire franchement. J'ai eu une fille, elle était en dernière année donc de Batigelato, et elle m'a dit ceci. J'ai appris plus de français avec vous en un an que tout le français que j'ai appris depuis la cinquième primaire. Et j'ai eu d'autres élèves qui m'ont dit, c'est vrai que le français, je n'aimais pas, mais avec vous, ça va, j'aime bien. Maintenant, vous devez savoir aussi que même si le cours est attrayant, même si il y a un meilleur intérêt pour le français, malgré tout, il y a une difficulté au niveau des élèves d'apprendre quelles que soient les matières, que ce soit l'espagnol, l'anglais, etc., etc. Il n'y a pas vraiment une envie d'étudier ni une discipline d'étudier. Mais néanmoins, je m'aperçois que beaucoup d'élèves me disent « Mais le français, je le trouve intéressant. » Il me dit, mais ouais, ils ne vont pas me dire, ah, j'aime bien. Mais ils me disent, intéressant, avant je n'aimais pas, je ne vais pas dire que j'aime bien, mais c'est intéressant. Bon, merci à tous. Merci, monsieur Michel Epe. De venir en salle. Donc... La E finale ne se prononce pas.
Bon, c'est quoi cette mauvaise prononciation? Alors, voilà. Le E final ne se prononce pas. M. Voilà. D'accord. Bon, tu disais Merci de venir, merci de partager vos connaissances. Je sais bien que comparer la langue espagnole à partir de l'expérience de lecture, et ça a été un effort formidable. J'ai vu et le matériel que vous avez préparé et que l'on va envoyer dans le groupe. Et non, merci à tous les participants aussi. Et on continue cet après-midi et on aura un autre point de vue sur l'éducation. Ce sera un directeur dans le district scolaire et de Villa Tapia, Amable Jaques, qui sera avec nous. Et nous allons voir ce qu'ils font là à Villa Tapia pour améliorer l'éducation, la qualité de l'éducation et l'apprentissage du français. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Oui, à une prochaine fois.